Veste numéro 18. Composition pour dos courbé. Veste mal rasée d'opposition, de résistance au froid et au système. Portée à l'envers, repassée en sens inversé, en signe de chance et de présent, de champignons et d'escargots. Camisole pas chimique en tissu polyamide gris CGT. Revers coyote en feutre essentiel toutoui de chez Twitou. Nous élisons deux rois de la veste ample et de la fronce, M. Yoji Yamamoto et M. Armani, responsables syndicaux chargés de l'évaluation et de l'équilibre entre connaissances, compétences techniques et salaires. Veste numéro 19, veste fourre-tout. Nous déclarons l'industrie du sac jetable de mode nuisible pour la femme et pour la virilité de l'homme. Nous nommons, pour en finir une bonne fois pour toutes, Shiva, entreprise spécialisée dans le ménage et le repassage à domicile, à la tête des collections Gucci. Inutile. Rappel des nominations non fictives. En 2001, M. Ungaro annonçait son départ. Il est remplacé en 2003 par son assistant Giambattista Valli. En 2005, Vincent Dary lui succède. En 2006, Peter Dundas prend la suite. Il est remplacé en 2008 par Esteban Cortázar. En 2009, Estella Arch est nommée en collaboration étroite avec Lindsay Lohan. Gilles Deacon leur succède en 2010. En 2011, Jeanne la Bible Amour prend la suite. Nous nommons à la tête de la maison Ungaro un chasseur de tête bisexuel, ambidextre, bipolaire, poivre et sel et tordu.